Ah bonjour, ah, je m'appelle David Makwel, c'est moi qui est le fondateur et le directeur du CAAC. Alors monsieur, quel était l'objectif de ce programme ce matin? Et l'objectif de ce programme ce matin, c'est de présenter à l'église, informer les grandes choses que Dieu a fait en Afrique il y a 2000 ans, nous avons vu beaucoup de richesses et de grâce de Dieu. D'accord, selon vous, est-ce que vous avez atteint ces objectifs? Oui, tout à fait, d'une manière, on n'est pas satisfait, mais on est très honoré. D'ailleurs, on ne savait pas que le monde pour ça va venir, mais on est tellement, tellement heureux. D'accord, et quel était votre site? Le site était les églises, la rue des églises, mais aussi la public chrétien. On veut que le pasteur, on a fait un effort aussi pour le pasteur, on voulait qu'il vienne pour voir cette journée. Ah, nous sommes tellement encouragés parce que nous avons vu aujourd'hui la joie dont les gens se trouvent. Ça nous a beaucoup encouragés. Donc l'année prochaine, on s'organise bien pour pouvoir atteindre nos églises, nos organisations chrétiennes et puis à la public en fond d'une manière plus forte. Voilà. Qu'est-ce qu'on va retenir? Ce qu'on peut retenir, ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup que Dieu a déjà fait en Afrique. Et aussi, ça, c'est notre histoire. Ils sont nos ancêtres. C'est d'eux qu'on est venus, on est arrivés, on est venus. Donc, c'est tellement important vraiment de saisir la richesse de l'expérience qu'ils ont eue. Et puis, ils nous ont livré. Et puis, les structures qu'ils ont mis en place. Et la parole qui nous est venue, maintenant, de saisir ça. Mais aussi de les regarder au lieu de les juger selon leurs faiblesses. Plutôt, on apprend de Dieu et puis on sera motivé de faire de mieux même que. Ah, tous ces, oui, ces détails-là ne sont pas encore décidés, mais tout certainement ça sera à Abidjan. Et on va informer tout le monde quand le temps va. Ok, merci. Merci beaucoup.